Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, petit coucou. Petit chantier où on va transformer une baignoire en douche. D'accord ? Moi je vais m'occuper que de la partie plomberie. Tuyaux, pose du bac à douche. Et aussi, vous allez me voir dans le miroir, comme ça je vous fais coucou dans le miroir. On va remplacer ce plan de travail, on récupère ce lavabo qu'on va décaler et on va faire un branchement de machine à laver. Voilà. Voilà en gros ce qu'on doit faire ici. Donc, on va commencer par fermer l'eau, enlever un peu les faïences qui traînent à droite à gauche et enlever ça. Et j'ai la nourrice qui est en bas, donc quand j'aurai tout enlevé, j'y verrai un peu plus clair pour trouver la meilleure solution par rapport à cette nourrice. Ok ? Au boulot. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans ? Voilà, vous voyez, ça va vite. Alors, on va faire un petit point. Vous m'avez vu enlever les faïences. Vous avez vu ce côté du mur là. Je suis rentré, tout est sorti. Ça, je l'ai enlevé en une minute. Ça, je l'ai enlevé en 6-7 minutes. Mais là, à peu près pareil. Béton, placo. Et des fois, je reçois des commentaires quand je fais la protection de ce carrelage. En disant, ouais, ça sert à rien, machin, c'est pour faire du placement de produits, c'est pour faire de... Oui, aussi, hein, faut pas me mentir. Mais est-ce que ça sert? Ben, je pense que ça sert un peu, parce que si on avait une bonne protection sous carrelage, ici, ben, ça aurait pas pris l'humidité. Et si on met une bonne colle sous la protection sous carrelage, eh ben, on se fait chier à décoller. Alors là, tant mieux, hein, moi, je me suis pas embêté. Mais... pensez au support de votre carreau, protection sous carrelage et bonne colle. J'aurais passé peut-être 3 heures à tout enlever là. Donc, super pour moi. Ok ? Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est débarrasser tous ces gravats là que j'ai. Donc, je vais les mettre dans des sacs à gravats. Alors je vais les prendre, je vais mettre dans les sacs et voilà, je remplis les sacs. Donc tout ça, je vais le faire en caméra off et après, on va voir comment on va faire pour enlever la baignoire. Regardez, je suis en train d'enlever les carreaux de la baignoire. Et quand je vous dis que ces gants, ils sont bien,
Alors, vous allez me dire, j'insiste beaucoup, mais regardez. Donc, on est sur des faïences, d'accord, coupantes, hein, ok. Tous les professionnels savent de quoi je parle. Pas gaffe, hein. Voilà. Et pour vous montrer les carreaux, ouais, c'est tranchant, c'est machin. Maintenant, regardez. On ne fait pas de cut. Les gants sont pourris du truc. Que je vous dis qu'ils sont bien. C'est pour ça que je vous en parle. Hein. Si c'était des gants de merde, je ne vous aurais pas dit. Hein. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Je voulais vous montrer ça. Et là, j'ai absolument rien. Une main de bébé. J'ai même plus de cornes. On dirait que je tape à la machine. J'ai une main super douce. Allez, je continue. Voilà, il y a ce que je pensais, la nourrice qui est derrière là-bas. Donc il va falloir que je voie qu'est-ce que je peux faire. Ok? Bon, vous avez vu, enlever une baignoire, c'est pas très compliqué. Le seul truc, c'est que si vous n'êtes pas bricoleur plus, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que il faut casser les choses sans se rajouter du travail. En déposant les choses. Par exemple, ici, pour le carreleur qui va venir travailler, il n'a pas de trou, il n'a rien, vous voyez. Donc il va pouvoir travailler propre. Là, j'ai cassé en fonction de ce que je vais faire après. Et puis, chaque configuration est différente et indépendante. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à trouver la solution pour mes tuyaux, là. Et on va voir ce que je vais faire. Je vais y réfléchir. Allez, regardez. J'ai enlevé le lavabo, d'accord. Cette planche, le plan de travail va être remplacé par un plan imitation bois, ok. Et j'ai regardé ces tuyaux là qui m'embêtent, donc c'est bon, j'ai trouvé la solution. On a deux tuyaux général qui arrivent en 16, et après les deux tuyaux en 14, c'est les tubes qui viennent au lavabo, je les vois. Et comme le lavabo va être déplacé, je vais passer par la gaine technique, je vais faire un trou, je vais sortir ça, mais vous le verrez. Et je vais rentrer ces tuyaux derrière, hein, avec deux raccords passerelles, et après, je pourrai faire ma douche et mon lavabo. Voilà, pour ce matin-là, ça va être cool. Je pense que ça suffit. Et on se voit tout de suite pour le reste. Allez, de retour sur le chantier. Alors, j'ai placé ma platine de douche. Et j'ai fait mes deux tubes là, collés au map. Voilà, je suis à la bonne hauteur. Et maintenant, on va s'occuper de la douche. Donc, 70 par 160. Et j'ai pris un modèle comme ça. Vous allez voir. Alors, c'est de la résine super lourde. Je suis tombé les pieds. Ok. On aura le siphon central, ne bougez pas, on ne voit pas bien là. Voilà, on aura le siphon central, on va pas la doucher blanc, hein. D'accord. Et on va s'occuper de mettre les pieds à 8 cm. Pourquoi 8 cm? Je vous mets devant et je vous explique. Alors, j'ai débarrassé là. Et pour que vous puissiez verrouiller, je mets
Ça, c'est juste pour l'avoir à la hauteur du carreau. Et je mesure comme ça. Et j'ai 8 cm. Voilà comment j'ai déterminé les 8 cm. Alors tout ça, regardez. Tout ça, je vais le vider. Je vais enlever aussi cette rangée de carreaux là. Parce que mes 70, ils viennent au bord. Voilà, de là à là-bas, j'ai 70. Donc, je vais nettoyer tout ça. On va enlever tous ces gravats là qu'on a là-dessous, mettre ça dans le sac à gravats. Je me fais une base propre. Après, je mets les pieds et je présenterai le bac à douche à blanc. D'accord ? Voilà. C'est tout propre. Et pour pas mentir, j'ai déjà connu pire hein, sous les douches et les baignoires. Hein. Et ce qu'on va faire, on va mettre les pieds maintenant. On va mettre les pieds là-dessus et on va voir comment on fait. Alors les pieds, on a des emplacements pour les pieds là, comme ça. Avec les trucs comme ça. Où on vient emboîter dans le pied. Et après, on peut venir régler la hauteur. Ok ? Alors j'ai déjà regardé et j'ai trouvé l'astuce. On prend le pied. On prend un marteau, on fait un petit peu de bruit. Voilà, on enfonce. Et là, j'ai 10 cm. Il me faut 8. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever ça. En enlevant ça, j'ai une bague de réglage. Vous voyez, cette bague de réglage là, eh bien, je la desserre, je l'enlève. Alors ça prend un peu de temps, mais je la desserre, je l'enlève. Parce que là, si je mesure juste avec le pied, je ne dois pas être loin d'être bon. Et on va voir ça tout de suite. Voilà. Et là, j'ai 6 cm. Alors, si je remets le pied sans la bague, c'est bon, mais au bout d'un moment, mon pied, il vient toucher la butée là, et ça fait que ça me ressort la fixation. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est couper un petit peu de filet. Vous allez voir. Je prends la petite meulette là, et on vient couper un petit peu de filet. Et ça fait que mon filet, vous voyez, j'ai de la marge. Donc, je peux venir le revisser et me caler à 8 cm. Voilà. Et logiquement, quand le bac à douche sera posé, personne n'y pourra venir dérégler mes pieds. Je vais faire ça sur tous les pieds, donc ça va être répétitif. Je vous reprends quand on pose le bac à douche. Alors regardez, ils sont tous posés. D'accord ? Je vais tous poser. Et on va voir maintenant comment ça tombe. Je vais vous décaler un petit peu. Voilà. On va être en live, allez. Et si je fais comme ça, voilà, je suis en train de faire la mise au point, c'est bon. Allez, on y va. Putain, c'est bon, c'est merde. Yeah.
Exact. Alors celui-là, on va le faire. Et après, on adapte. Donc celui-là est touché tuyau, donc je vais l'enlever. Ok, voilà comment ça se passe. Allez, il me manque à faire préparer ma bande, recaler un peu mes pieds, je vais prendre mes repères là, et après on le posera définitivement. Je viens de finir. Voilà. Alors, j'ai mon siphon, j'ai mon joint. Ce qu'il y a de bien, c'est que le carreleur, il est venu. Donc, il va attaquer la semaine prochaine. Voilà. Bac à douche. J'ai fait exactement la même chose que je vous démontrais à blanc. Sauf que j'ai mis le siphon en plus. Mais je vous l'ai déjà montré sur plusieurs vidéos. Ok ? Pensez à retirer le petit film plastique quand vous faites l'étanchéité au silicone. Avant. C'est mieux. Ok ? Prochaine vidéo, on se voit ici. On va découper le plan de travail là, on va mettre la vasque qu'on a récupérée, un nouveau mitigeur et on branche notre machine à laver. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite. Allez, à tout de suite. De retour sur le chantier. Alors, j'ai posé mon plan de vasque. Alors, vous allez me voir sur le miroir. Forcément, il y a un grand miroir et un grand double. Et je me suis découpé le gabarit. J'ai pris l'ancien plan de travail, j'ai mis un bout de carton, j'ai tracé, et ça m'a fait mon gabarit. Ok. Ce qu'on va faire, on va le mettre ici. Il faudra, je pense, à le bas du lavabo, là, le bas de la vasque, parce que là, 60 cm, il y a une machine à laver, donc si je ne laisse pas 60, ça va être compliqué. Ok. Donc, je trace ça, et on est découpé.
bien quand ça déborde, comme ça après, quand c'est sec, je vais mettre un coup de cutter comme ça, tout le long, je l'enlève, et ça me fait une jointure parfaite. Ok? Donc, moi, j'aime bien quand ça déborde. Ça fait une super finition. Ok, et bien il ne manque plus qu'à raccorder l'eau froide, l'eau chaude et l'évacuation qui se passe en dessous. Alors, on va mettre ça là. La tige de commande, elle va me gonfler. Donc, on va couper. Ce que je vais faire mon montage à blanc. Comme ça, vite fait. Donc coude à 40, réduction 40-32. On va venir ici. On va venir réduire un peu. Voilà. Et on va venir en bas là. Voilà, et là on va mettre un thé. Voilà.
Voilà mon montage à blanc. D'accord? Machine à laver, lavabo, bouchon de visite au cas où. Et après, je brancherai mes deux tuyaux ici. Et il y aura un robinet de machine à laver qui va venir à côté. Et voilà. Allez, au chaud et au froid, et après on fait un test. Alors, on risque d'avoir un peu d'air. Voilà. Pour le froid. Et pour le chaud. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire poser le robinet de la baignoire, là, de la douche ici, accrocher mes tuyaux et faire un robinet de branchement de machine à laver. Voilà, comme je dois revenir pour poser le robinet de la douche, je vous ferai la pose du robinet de la douche, on terminera d'accrocher les tuyaux. Voilà, on fera la petite finition sur la prochaine vidéo. D'accord? Allez. Nous revoilà sur le chantier. Alors, le carrelage, il a fini. Ouais. Il a bien travaillé. Il n'y a rien à dire. Donc, vous voyez, comme je dis toujours, il y a des bons artisans partout. Ils ne sont pas forcément que sur les réseaux. Voilà. Là, on a un carreleur qui a travaillé correctement. Donc, nous, on se voit. On pose le robinet. On met la barre de douche. Je fais mon branchement en dessous, là, pour le robinet de machine à laver. Je balance un peu tous mes joints silicone et on fera la conclusion. D'accord? Robinet, donc on va mettre un mitigeur comme ça, avec les excentrés, les rosaces et le truc. Donc je vais faire ma filasse, je vous mets devant et on va pisser et on va passer tranquillement. C'est parti!
erreurs de douche. Maintenant, on va faire un truc qui va vous rendre fou. Ici, c'est une barre de douche. Alors, sur le devis, il y avait prévu une paroi de douche. Et la cliente, elle préfère une barre de douche. Donc, c'est pas les gens qui mettent des commentaires qui me payent, hein, c'est la cliente. La cliente, elle veut une barre de douche, on met une barre de douche. Voilà. Ok ? Donc, j'ai une barre de douche comme ça qui est extensible et compressible. Et vous allez voir, je vais essayer de vous mettre pour que vous la voyez ensemble. On va voir. Donc, on prend la barre de douche, on la colle là. D'accord ? Et après, on vient de l'autre côté. On extense la barre de douche jusqu'au coin là. D'accord ? On vient mettre le bouchon de l'autre côté. Et logiquement. Oh, je peux encore l'étendre un petit peu. Et il faut trouver le juste milieu pour que ce soit suffisamment fort. Voilà. Encore un petit peu. Une barre de douche. C'est pas commun, mais bon, comme je vous dis, c'est les clients qui payent, hein. C'est pas les gens qui mettent des commentaires. Allez, il me manque à faire accrocher mes tuyaux au chaud d'eau froide avec mettre le robinet de machine à laver. J'ai lavé la douche et testé mieux mon siphon, donc je pourrais pas faire le silicone, mais bon, silicone, vous avez vu 50 fois le faire. Donc, je ferai mon silicone sur une deuxième partie après le peintre. Allez, je fais mon branchement et on fera la conclusion. Voilà, je viens d'accrocher mes tuyaux, j'ai mis mon robinet de machine à laver, le siphon est là, il va y avoir un électricien qui va venir placer une prise. Et donc, pour ce chantier, ça sera fini. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore. Quoi vous dire de plus? Rien, il me manquera juste les joints en silicone à faire. Et j'ai envie de vous dire, à ciao, bye bye, et à une prochaine vidéo.